une dominante caractéristique chez les Martiens, c'est le choix des couleurs vives, et notamment le rouge, d'une manière générale. C'est pourquoi d'ailleurs on retrouve bizarrement chez les Scorpions une appétence particulière pour le noir et le rouge. Le noir correspond à Saturne et le rouge à Mars. Saturne étant exalté et Mars en maîtrise. Alors attention, parce que là aussi il y a des polarités. Il y a des personnes qui sont en souffrance morale, qui habituellement étaient vêtues de couleurs claires, bleu ciel, parme, rose, un jaune, tout ça. Et hop, il y a une atteinte sentimentale, et on va retrouver du noir dominant, du brun, du gris sombre, des couleurs sans éclat, tout ça. Ça ne fait que traduire une forme de réadaptation. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il y a des troubles sentimentaux, les choses agréables et gaies, on les refuse tellement on souffre. Quelqu'un qui a souffert de mal d'amour, il sait que entendre les petits oiseaux et voir le soleil dans un ciel bleu, c'est quelque chose qui peut faire très mal. Ça donne envie d'en terminer, tellement on se dit, il y a ça qui me nargue et je n'arrive pas à sortir de ma misère, tout ça. C'est bête, mais ça marche. Hein. Je ne vous le souhaite pas, parce que ce sont des blessures graves de l'âme, qui sont aussi graves que n'importe quelle blessure corporelle, sinon plus, parce que ça, c'est toute la personne qui est englobée là-dedans. Donc ce sont des choses aussi à repérer. C'est là-dessus que va se construire, si je puis dire, la partie de la médecine dite psychologique. Mais elle ne sera pas fondée sur la manière dont se présentent les gens, parce que la psychologie de nos jours s'est déformée par la vie sociale. Nous, on a besoin de savoir le vrai, le fondamental, parce que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Tripote directement dans la veine.